Hello tout le monde, hey! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être... Alors aujourd'hui, journée mouvementée, on va aller petit-déj dans une boulangerie, déjeuner dans un fast-food et dîner dans un restaurant. Mais on va devoir commander la même chose que la personne qui est passée devant nous. Donc en gros, on ne va pas savoir ce qu'on bouffe aujourd'hui. C'est les gens en fait qui sont passés juste devant nous qui allons décider en fait notre destin de notre estomac aujourd'hui. Voilà. Je sais que le destin de l'estomac de Léna, vous-même vous savez, est très important. Oui, voilà. très important. Bon, donc là, actuellement, il est 10h11. Donc je pense que c'est une heure un peu stratégique. Pour moi, 10h11, c'est un peu l'heure des flemmards. Genre, ceux qui se lèvent à 10h, ils ont envie d'un bon petit déj bien gras. Non, je pense pas, moi. Je pense que on va avoir du temps. Ah ouais, moi aussi, je le sens là. Je sens, on va arriver à la boulangerie, on va avoir une baguette de pain. Genre. Ouais, me dérange pas, j'aime bien. Non, moi j'ai faim pour une fois là. Je me suis levé ce matin, j'avais faim. C'est très moi aussi, rare. J'ai faim. Oui mais toi ça change pas. Je suis très mal barré aujourd'hui parce que je suis avec la plus grosse radine de France. Donc c'est à dire que si on a peu de choses, évidemment elle va tout grailler. Donc il va rien me rester. Non mais ça va toi quand bah, même. Excuse-moi. Oui, si on partage, je vais prendre des plus gros bouts de toi. Mais... bah est-ce que c'est normal genre. Je suis un homme, normalement je suis censé manger plus. Oui en bah t'es un homme hein. Monsieur Maigrichon en homme hein, alors. Avant de continuer déjà, t'as pas quelque chose à me dire? Bah non. Bah si. Des excuses. Pourquoi? Bah pour hier soir. Bah non en fait c'est toi, tu rentres dans ma chambre sans toquer. J'ai toqué 5 fois. Bah oui bah ça m'a saoulé que tu rentres dans ma chambre alors que j'étais en train de faire mon petit truc. T'es vraiment un connard, j'en étais sûre qu'il allait en parler. T'es vraiment un connard, non dis rien. En gros, non, hier non. Je veux rentrer dans la chambre de Léna. J'entends une musique en fond, donc moi je pensais que t'étais dans la salle de bain. Donc je rentre, Léna avait son casque dans les oreilles. Donc c'est pour ça qu'elle m'a pas entendu. J'avais mon casque dans les oreilles et je dansais sur mon pouf, voilà. Elle dansait sur son pouf. Bah oui. Comme si elle était sur une table en boîte de nuit. Mais non, parce que je m'étais mis sur le pouf parce que je préfère. Et elle était en nuisette. C'est mon pyjama, là là, arrête. Là, était... franchement t'es chiant là. Franchement je te parle plus. Elle était comme sur la barre de pole dance. Mais non, ça t'es un gros mytho baron. Ah mais c'est bon, oh là là. Non mais c'est bon, t'es chiant, à chaque fois tu me fous la honte sur YouTube, là c'est bon, tu me saoules. Bref, bon allez, c'est parti. On croise les doigts là, putain, une petite mère de famille qui va chercher des viennoiseries pour sa famille pour de 10 malades, enfants. Arrive la chair, on arrive. Ouh, go, ça t'appelle un honte. C'est génial, depuis que Léna a le permis, c'est mon taxi, je revis. Surtout que je te laisse pas le volant parce que tu conduis mal. Tu veux dire que je conduis mal, moi ça m'arrange, ça me va très bien. Franchement, quand je monte avec Alex, des fois, je me dis si on a vite. Colle les trottoirs, tu fais n'importe quoi. Oh, y'a du monde, hein. Et y'a des gens, ils prennent des vinoiseries. Putain, son Israël là. Donc. Je sens qu'on va avoir la poisse là. Y'a les pompiers, ça se voit, ils vont prendre plein de trucs, vite. On sera juste après les pompiers. Oh, mais ça se non, voit, ils vont en fait, prendre non, plein de ouais. Toute la caserne. Oui, mais des trucs salés, moi j'ai envie de sucré. Allez, bah on y va, on triche pas. Et... derrière les pompiers. Putain. Ils prennent tout pour la caserne. Ah ouais, c'est toi qui filme. Hein. Bah oui, évidemment, c'est moi qui me tape la honte. Attends, j'ai pas Apple Pay, je crois. Et moi j'ai Apple Pay, c'est bon. Je paye. Oui, tu me rembourseras. Vous avez intérêt à faire le bon choix, je vous le dis. C'est pas discret du tout, genre. Je te dis, mais pourquoi ils parlent de nous là? Je leur dis que notre petit déjeuner dépend de. On écoute ou on fait en mode. Non, on écoute quand même. On écoute un peu. Le restaurant sera pas spoil et le bateau sera pas spoil. Ouais, j'avoue. Ils sont en train de regarder les trucs. Ça là, les chouquettes et tout. Ah, oh my god, ils ont l'air d'être bons là, les pains au chocolat. Ils ont l'air bon les muffins. Et les madeleines foulées au chocolat. Elles ont l'air exceptionnelles. Mais elles sont très bonnes. Ouais, hein. Oui, oui, on les prend tout le temps, elles sont magiques. Faut les tester au moins une fois dans une vie. Je vais devoir parler. Bah oui, je tiens la caméra. Ça qui. Ah, attention, ça, on va savoir. Écoute bien, vas-y, écoute. C'est le moment, ils vont commander. Écoute bien. Alors, c'est le moment. Chut. Oh putain. Il y a 8 baguettes. Il y a 8 baguettes. On prend le baguette. Méchant d'avant. Non, mais là, c'est du gaspillage. Là. On prend celui du méchant avant. Ma vie, on va pas manger. C'est pas ça. Non, c'est du gaspillage. Donc, 8 baguettes. Allez. Oui, mais c'est de la triche. On dit pas 8 baguettes. Bonjour. On va prendre une Non, baguette. Non, mais laisse-moi parler. En gros, on ne va pas savoir ce qu'on commande. Il faut que ce soit une des dernières commandes. Vous pouvez nous sélectionner une de vos dernières commandes au hasard, peu importe. Choisissez une des dernières commandes et vous nous mettez ce qu'il y avait dedans. C'est la dernière personne à faire. Je suis incompréhensible. Je suis incompréhensible. Je suis sûr que ça a été un coup de chaud là. Vous avez pas compris? Si. Bah voici notre commande, 7 euros. On va pas se ruiner. Merci beaucoup. Je m'en vais de ce malaise. C'était trop gênant. Malaise TV là. Malaise TV. Va te faire fou. Mais t'étais trop gênant. Va te faire fou. Bah oui, j'étais gêné. Donc j'étais gênant. Une co. Tu parles la prochaine fois.
On a foutu la bordel dans le Marie Blacher en plus. T'as vu tous les gens qui attendaient derrière parce que le mec il comprenait pas et l'autre elle prenait pas. Moi j'étais dans mon monde, genre tu sais, j'avais l'impression d'être dans un autre univers. J'ai paniqué. En fait, t'as tout expliqué. Moi j'aurais dit, est-ce que vous pouvez me choisir une commande là dans le truc et puis vous. Oui, je sais. Bah, comme d'hab, quand je suis stressée, je fais tout. Une vidéo YouTube et puis en fait, le but c'est de prendre la même chose que la personne devant nous. Vous pouvez prendre un ticket. On a un truc royal, je suis sûr, il a fait exprès de nous mettre un truc. Non, non, il m'a redit après, les gars, faites-moi confiance. Après, il m'a redit à la fin, t'as pas entendu? Il a dit, ouais, je vous ai mis l'avant-dernière commande. Parce que, bah, du coup, les pompiers, ils avaient pris genre 8 baguettes. 8 baguettes pour toute la caserne. J'en voilà. étais sûr qu'ils allaient prendre pour toute la oui, caserne. Oui, moi, je pensais qu'ils allaient prendre des croissants, genre, mais pas des baguettes. Ouais. En vrai, ça aurait été drôle si on avait pas de conscience. Mais là, c'est du gaspillage. Ouais, oui, t'as eu raison. Moi, j'allais faire du gaspillage. Bonne action, bravo. Je te serre la main. Ah putain, j'avais le coca de maman. Non, j'y retourne pas. Trop gênant. Les gens regardaient derrière quand je parlais que j'expliquais. Je sais pas, moi tu sais que je filmais sur le côté, je faisais. Non, mais. Mais oui, je panique. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a du coup deux baguettes touches comme elles sont chaudes. Oh my god, elles sont grillées, j'aime pas. Moi j'adore ce coma comme le baguette, mais là moi, tu vas pas aimer. Du tout. Après, pas backup, mais elle a l'air d'être bonne. Une tarte aux pommes immense. Mmh. Elle a l'air d'être très bonne. Sympa. Voilà. Et ah, un pain au chocolat et un croissant. Donc toi t'aimes les croissants et moi j'aime les pains au chocolat. Bénef. J'aimerais bien goûter la tarte aux pommes avant. Oh, elle est bonne. Tiens, mange extra mi keto. Et je peux choisir où je vous mange. Ah. Découvre un truc trop bon. Mmh. T'as vu? Elle est hyper bonne. Bon, ça va, c'est pas non plus la tarte de laine et détente. Si, elle est trop bonne, elle est fraîche et tout. Succulent. T'étais censé pas aimer, moi j'aime pas les pains au chocolat et croissants, donc... On va de la manger, là on en sait presque. Qu'est-ce que j'avais dit juste avant? Je ne vais rien manger dans cette vidéo encore. Vous vous demandez pourquoi je suis mince? Bah, parce qu'elle mange tout ce que... Non mais MDR, le mec il mange matin, midi, soir que des légumes en même temps. On a mon pain au chocolat, ah il est bien blanc. Oh comme j'adore. On dirait un pain industriel. Hein. Non mange pas là, c'est bien blanc. Mange de l'autre côté s'il te plaît. Je peux manger... Mais pas t'aimes bien grillé, c'est pour toi aussi que il a mangé la partie blanche de l'autre côté aussi. Mais... Non, non. Qu'est-ce que vous aimez dans les pains au chocolat? Bah c'est trop bon. Le chocolat à l'intérieur, moi je le trouve dégueu déjà. En mode il est fort et tout. Je sais pas, j'aime pas. Moi j'adore. Mon rêve, c'est pas croissant, il est bien grillé. Ah oui, j'avoue, il est bien grillé. Trop stylé. Ouais. Moi je vois pas pourquoi vous aimez les croissants. C'est fat, je trouve. Je me régale. Moi je garde de la place pour ce midi. Ce midi si je suis déçu je vais péter un peu. Toi t'aimes plus de trucs au McDo que moi. T'aimes bien beaucoup de burgers que moi j'aime pas. Imagine on a le 280. C'est quoi? Celui avec le vrai pain genre. Oh je déteste. Pareil, t'aimes? Le pain. Non j'aime pas. Ah j'ai voulu dire t'aimes. Je l'ai dérouillé le pain au chocolat. Il a duré 3 secondes. Oh vraiment. Trop bon. T'as fini les tartes aux pommes? Non mais je compte la finir mais après. Oh là là, il va tous garder pour ce soir. Alex, toute la journée, il mange ici et tout, il fait des efforts et tout pour avoir une belle peau et tout. Par contre, le soir. Alors là, en plus c'est le pire le soir, c'est là où tu prends le plus de kilos. Je m'en fous, c'est là où j'apprécie. La journée, j'ai pas beaucoup d'appétit. Mais le soir... Le soir, il se fait un plateau. Vers 22h, j'ai fini de travailler. Il se prend pain avec du fromage. Je sais plus quel plateau tu te fais. C'est un apéro dînatoire. Voilà, donc il va tous garder pour ce soir pour son petit apéro. Non, parce que là, tu vois, je mange, ok c'est cool, mais je suis pas en mode... Je suis pas en mode... et tout. Alors que le soir, j'ai fait toute ma journée, j'étais productif, je me pose devant une petite série, et là c'est le gras. Le moment parfait. Il faut que je trouve la série parfaite. Et je mets play et là c'est le moment du bonheur. J'avoue mais moi manger le soir tu vois je peux pas, ça me bourre. Oh. Ah ouais mais j'aime bien moi me coucher avec le ventre tout plein. Tu sais j'ai l'impression que je suis un gros phoque et tellement je suis lourd genre je tombe et je m'endors. Bref. Ouais. Bon les gars on se retrouve un peu plus tard. On va à quelle heure au McDo? Bah 12h30 c'est l'heure pétante hein. Ok 12h30. 12h30 au McDo. Allez à toutes. Si j'ai vu la trend TikTok, j'ai pas vu. Il fait le rock, il est hilarant. C'est quoi? Il y a un mec en fait, il a fait un live TikTok et il chantait cette musique. Bah attends, je vais te faire écouter. Mais déjà, c'est quoi cette musique? Bah, c'est un chant. Attends, je fume de la beuh. Ils sont bourrés à la beuh. Ils sont bourrés à la beuh. Bon, les gars, c'est parti. Second round. Depuis combien de temps j'ai pas mangé McDo? La dernière fois c'était en novembre. Oh my god. En
né en avril, ça fait 6 mois pratiquement. Moi ça fait... Toi aussi tu manges beaucoup moins McDo. Un mois pour Léna c'est un an. C'était un McDo après une sortie. La veille j'étais sortie en boîte, donc c'était vraiment, vous savez, le McDo de quand tu te réveilles et tout à midi et que t'as vraiment rien envie. Bah c'est le meilleur McDo. Voilà, c'était pour ça que je voulais McDo, sinon j'aurais pu aller en manger. Toi t'as vraiment arrêté. J'ai arrêté McDo du jour. Qui se rappelle, avant on mangeait McDo à toutes les vies. Mais moi c'est pire. Comme toi tu mangeais McDo tous les jours toi. Le seul restaurant qu'il y avait à côté du lycée c'était McDo et Burger King. Toute la semaine, tous les midis, McDo ou Burger King. Je sais pas comment on faisait pour pas que ça te cœur un minimum. Bref, donc ça va nous faire du bien, un petit domac. Par contre si on aime pas, bah déjà Alex, tous les burgers au McDo où il y a du bœuf dedans, il aime pas. Voilà. C'est vrai, sauf le Big Mac. Fais-nous ton classement des burgers. Double cheese, petit wrap, le Mac sans poulet. J'avoue, c'est un bon classement. Toi tu prends jamais le Big Mac, trop bizarre. Non, parce que la première et la dernière fois que j'ai pris un Big Mac, j'avais un cheveu comme ça dedans. Donc ça m'a dégoûté, j'étais avec maman dans la voiture. Je crois dans le Big Mac. C'était la première fois de ma vie que je goûtais un Big Mac, j'étais trop contente. Et là, je tire le gros cheveu. J'ai plus jamais repris le Big Mac de ma vie. Il y a beaucoup d'ouvriers chez nous qui prennent les McDo. J'espère qu'on va tomber sur un camion d'ouvriers qui prennent des putains de burgers énormes comme ça. Parce que les ouvriers, avec le travail qu'ils font, franchement, ils mangent beaucoup. Je comprends. Et toi, avec le travail que tu fais, tu manges autant qu'eux. Imagine, c'est une commande. Genre, des fois, il y a des gens qui font des commandes genre de 80 euros. Genre. J'ai pas faim pour 80 euros. En vrai maintenant c'est hyper cher. Maintenant c'est cher, franchement. Je me rappelle avant j'allais au McDo, je payais jamais plus de 10 euros. Ouais, ils ont pris la grosse tête. Oh ah, double la voiture. Il y a un camion d'ouvriers. C'est rancard, c'est pas des ouvriers. Je m'en fous, il a faim, il vient de livrer des camions toute la journée. Regardez, ça se voit, il a faim. Il faut la doubler elle. Je trouve elle va pas au drive. Bébé à bord. Donc il y a moyen de que ce soit une famille et tout. Imagine c'est quelqu'un qui prend juste un truc pour son bébé. En mode des compotes. Ah non, je pète un câble. Bah toi t'adores les jus. Non mais d'accord, mais là je crois que je vais manger une compote genre. Bah oui je sais, mais bon de toute façon, ok elle va au drive. Cette voiture qui va déterminer notre sort là. À mon avis elle a des enfants malades, elle, tu vois, c'est le typique. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et ça se trouve elle vient d'accoucher et. Elle a trop faim. Elle a trop faim. Putain mon rêve. La beuh, bon c'est bon, c'est bon Léna. Faut pas qu'on se spoil, faut pas qu'on regarde. Non, regarde pas. D'ailleurs, on a pas dit, on n'est pas en retard. Bravo Alex. Bah, quand il s'agit de bouffer, on est bien à l'heure, hein, ça. Midi 27, on est même en avance. Une première dans sa vie. À la base, le mec est toujours en retard. J'espère qu'elle va rester longtemps à la borne. Si elle reste pas longtemps, moi, on laisse passer la voiture derrière. Oh, oh non, Léna, y'a un camion d'ouvrier derrière, putain. Il y a un camion d'ouvrier. Oh, elle est là, c'est à elle. Oh là là, pitié. Elle a l'air de bien parler. Pitié. Elle parle, elle débite. Allez, débite, continue. Oh là, elle fait même des gestes. Elle débite, elle a pris un menu déjà. Bon, allez, stop, on arrête de spoiler. Surprise. Elle reste longtemps. Parce que derrière, regardez. Léna, t'as manifesté, mais t'as mal manifesté. Il y avait le camion d'ouvrier là. Elle prend plein de trucs, je vois pas ce qu'il y a marqué, hein, mais elle prend plein de trucs, regarde. Ah non, c'était un peu rapide. C'est à nous, je dis quoi? Okay. Bonjour. Oui, bonjour, je vais vous prendre la même commande de la personne qui est passée avant moi. Alors là, oui, attendez, deux petites secondes. Pas de soucis. Exactement la même commande. Oui, s'il vous plaît. La commande avant, c'est. Me dites pas hein, ce qu'il y a dedans, c'est la surprise. Ok. Alors, attendez. Même chose, c'est tout? Oui. Ouais, tout pareil. Oui, tout pareil. Oh, c'est tout le monde. 34,40 s'il vous plaît. Merci. Ouf, 34,40 là, c'est. Non, c'est 24,40. Ah, 24? Ouais. Moi j'ai compris 34, ça va être la guerre là, je te le dis. Ah, bah vraiment. Moi ça fait 6 mois que j'ai pas mangé McDo, y'a rien pour toi là. Non, mais MDR, on fait goûter tout à tout le monde. Hein. J'espère que c'est 34,40, pas 24,40. Là j'ai faim, j'ai envie de nuggets et tout. Tu sais, c'est le McDo sacré là. Il a pas la même saveur quand t'as pas mangé depuis. C'est vrai, je suis d'accord. Surtout les frites, ces frites bien grasses là. Mmh. Bien dans lui. Bonjour. Merci beaucoup, bonne journée. Alors, c'est combien du coup? 34,40. Oh my god, elle a pris là les trucs, ça c'est vos familles nombreuses. Hein. Tes enfants ils lui ont dit, allez maman, on va nous chercher. Ouais, mais imagine, non, je sens ça va être que des Happy Meal là. Pas du tout, c'est pas des Happy Meal. Bonjour. Merci beaucoup, bonne journée. Il y a un Happy Meal. Oh putain, le grand moment du verdict. Un Happy Meal. Ça date. Ok, je vois les frites. Oh, il y a des nuggets. Ok, Happy Meal, nuggets 4, petites frites. On a un jus de pomme pour monsieur Alex, parce qu'il l'adore. Et à la base, j'aime pas. Sundae coulis caramel, je déteste. Oh, pas mal. Je l'adore. C'est ma glace préférée du McDo. Moi, j'avoue, elle est bonne, elle. En sauce, on a barbecue, crème et de luxe. Il y a des sauces? Oui. Barbecue, crème de luxe. Et là, on a une boisson. Oula. Elle est énorme. Oh putain, je crois que c'est de l'eau pétillante, genre un truc, un bail comme ça. Ah bah ça, c'est parfait pour moi. C'est de l'eau. Tu prends de l'eau au McDo quoi. Bah moi. Donc ce sera la tienne. Voilà, bah parfait. Bon là on est bien, il y a mes nuggets. Il y a tout ce qu'il aime quoi. Deuxième sac. Ah les... Non mais là c'est choquant. Il y a une boîte à partager de nuggets. Oui, mais attends. Toi tu vas être contente. Bon déjà il y a une énorme frite. Trop bien.
en 280. Ah, moi j'aime bien, j'adore. Ah ouais. Ah non, j'aime pas. Oh non, en plus c'est celui que je t'ai dit. Ah oui, c'est le sandwich qui me dégoûte avec le pain comme ça. Ah, il est dégueulasse. Mais je vais le manger hein, parce que toi tu veux la pimille. Et Léna va être contente. Petit bras poulet. Oh my god, vraiment la base des bases. Franchement, c'est pas mal. Ah ouais, hein. Franchement, ça va, on a été gâtés. Hein, sauf le sandwich. Franchement, le sandwich, c'est le plus dégueulasse de McDo. Oh là là, il y en a une. Alors là, la régalade. Ouais, mais les sauces, attends, est-ce qu'il y a les bonnes. Dis-moi qu'il y a mayo ketchup. Non, il n'y a pas. Normalement, il y a. Il n'y a pas une frite. Oh, trop bien. Ok, ça va, on s'en est hyper bien sorti. Mais c'est choquant. Non, les sauces, elles sont trop bonnes. Ah ouais, elles sont bien, ça y est. Par contre, il n'y a pas à prendre Happy Meal 4 nuggets plus une boîte de 20 nuggets. Genre, c'est bon, on a compris. Ça aurait été parfait s'il y avait eu un cheese. Oh, elles sont exquises. Sauce pommes frites, ma sauce préférée du McDo, perso. Et toi? Ouais, moi aussi. Elle est vraiment trop bonne. Oh, c'est petit là. Bon, on va goûter le sandwich ketchup, dégueulasse. Ah ouais, vas-y, ouais. 280, mais qui prend ça sans déconner? C'est le sandwich le plus dégueulasse. Après, il est beau esthétiquement, honnêtement. Il ressemble un peu au pub. Oh, ça va. Franchement, c'est pas mauvais. On va bof, hein. Ouais, non, après. Pourquoi vous prenez ça, genre? Il y en a tellement des meilleurs. Enfin, aller à la boulangerie, quoi, pour faire. Ouais, vraiment. Moi, je vais manger mon petit wrap parce que c'est vraiment le seul truc que je kiffe dans cette commande. Il est, genre, exquis. Je sais que j'ai essayé de le reproduire, hein. J'y arrive pas. Quand ça? Mytho. Bah, j'ai demandé à maman de voir. Oui, voilà, c'est une bonne fois qu'il l'a fait. C'est horrible quand ça te glace les dents. Pire sensation du monde, je crois que je préfère entendre les fourchettes qui grincent que ça. Ah ouais, que vraiment. Les dents froides. Ouais, c'est horrible. Encore de la place, toi, monsieur le maigrichon là? Bah, il mange pour 15. Pour rattraper tout ce temps perdu. Les nuggets, il les a pratiquement toutes dérouillées. Je peux manger ou genre je dois rendre des comptes? Ok, pardon, oh là là. Il est bon ton sundae? Excellent. Moi, ma glace préférée chez McDo, c'est le Very Parfait. Le Very Parfait. Ouais. Tu peux prendre le nappage que tu veux et il y a ton nappage, glace, nappage, glace, oui, chantilly. Et ma deuxième glace préférée McDo, McFlurry, coulis chocolat, M&M's. Oh! Tellement écœurant. Toi, vas-y, le McFlurry, c'est monsieur le dain coulis caramel, je suis sûre. Dain coulis framboise. Ah, il mélange le dain et le framboise. C'est encore pire que M&M's coulis chocolat. Non. En vrai, aussi, je dis ça fait 6 mois que j'ai pas mangé McDo. Parce qu'à Paris, il y a des fast-food, genre beaucoup mieux. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, les gens qui habitent à Paris, je comprends pas pourquoi vous tapez des McDo des fois alors qu'il y a des trucs 10 fois meilleurs. Ouais, vraiment. Tu sais que si j'habiterais à Paris, j'aurais jamais mangé de McDo. Si on aurait fait cette vidéo à Paris, on n'aurait jamais choisi McDo comme fast-food. Jamais. Ni BK. Jamais, parce qu'on les a ici. Surtout pas BK. Imagine McDo, ils font des frites patates douces. Ils avaient fait un moment dans les frites de légumes, je crois qu'il y avait patates douces. Ah non, c'était carottes. Ah oui, les trucs de légumes, mais qui s'en rappelle? Moi, j'avais adoré. Moi, je me rappelle plus. T'avais pas testé, toi? Si, j'avais testé. Mais j'avais testé avec quelqu'un d'autre, parce que j'avais pas envie de sacrifier mes frites de pommes de terre. Voilà, j'ai mangé ma dose, je peux plus en manger. Ah ouais, là, c'est bon, moi, j'ai eu ma dose de McDo. Pareil, j'ai eu ma dose. Allez, salut, et à jamais. Bon les gars, on va vous laisser. On va rentrer chez nous, on va pioncer un peu. On va digérer, grosse digestion s'impose là. On vous retrouve au restaurant pour le dernier repas ou pas du coup. Ouais, parce que ça se trouve on va arriver au resto. On va tomber sur des gros pochetrons avant nous qui boivent. Voilà tout. Qu'est-ce que t'as toi? Toujours pleurer. Je sais qu'on arrive. Bah oui, bah il attend. Il est trop chiant. Son chien mal éduqué. Voilà. Non mais, je t'ai détaché. Alors maintenant tu te tais. Arrête Tyson, c'est non. Non, tu t'arrêtes. Aucune autorité. Chut. C'est non. Chut. Tyson. Tu te tais. Assis là et pas bouger. Tu t'arrêtes. Non. Je crois que ça a marché. Bon les gars, comme vous l'aurez constaté, on a ramené le casse-couille avec nous pour ce troisième repas de la journée qui est le dîner. Donc on va aller au resto. D'ailleurs, pourquoi j'ai des boucles, ils doivent se dire Oui, parce que madame sort en boîte de night, excusez-nous. On est devant le resto, c'est parti, go se taper la honte. Il y a tout le restaurant qui nous regarde. Le cirque. Bon vas-y viens, on s'installe. Hein. Dès qu'un serveur arrive, on dit direct. Parce qu'on va pas attendre. J'ai la dalle en fait. J'ai une dalle. Toi t'as pas beaucoup mangé ce midi. J'ai pas beaucoup mangé, hein. J'ai la dalle sa mère. Moi je suis écœuré. Il s'enfilait, c'était sûr qu'il allait être écœuré. Ah voilà, je suis hyper écœuré là. Contre ce resto, j'adore la carte qu'il propose. Donc genre là ça me saoule grave de remettre le dessin. Bonsoir.
a une demande un peu particulière. Oui. En gros, comme vous voyez, on a la caméra, on filme une vidéo, on doit commander la même chose que la dernière commande que vous avez enregistrée pour le même effectif, donc deux personnes. Boisson, plat, surprise, on choisit pas. Allez, ça marche. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, il est bien sympa. J'ai hâte, heureusement t'as dit valeur de deux personnes. Mais oui, j'ai dit effectif de deux personnes, ça va pas gaspiller. Ouais, non, là, bah, j'ai triché là ou pas, les gars, dites-moi dans les commentaires. Mais non, mais non. Vous avez capté, c'était pour pas gaspiller. Genre. Tout le monde est écologique. Hein. C'est comme ce matin, où, à la boulangerie, on n'allait pas prendre du baguette. Mais là, je pense qu'il va pas du tout nous mettre les mêmes plats qu'une des commandes, il va juste nous mettre les plats les plus chers. Moi, je fais ça si j'étais serveur, hein. Je mettrais les plus chers. Hein. Voilà. Mais en fait, il y a plein de choix là, on peut avoir tout et n'importe quoi. Il y a plein de gens qui étaient en mode ouais, j'ai trop aimé faire ce concept, j'aimais bien le fait de pas savoir ce que je mangeais avant. Moi, franchement, j'aime pas. Moi non plus, j'aime pas. J'aime trop choisir ce que je veux. Pareil. Genre là, j'aimerais trop la salade César là. S'il amène la salade César, oh, je hurle. Par contre, imaginez, il y a vraiment deux plats qu'on aime pas. Je le sens. Je vais aller chercher la veille, j'ai trop froid. Tyson, je vais démêler quand même, parce que moi, je suis pas une maman de merde. Mais je suis là. Pas possible ce chien là. Tout le temps il aboie, maintenant sa nouvelle mode. Si vous allez voir qu'on va recevoir les plats. Hein. Ça va être un carnage. Vous êtes pas prêts. Je suis sûr que sa mère, il a dû dire à tous ses collègues de travail, non mais eux, c'est des gros malades, ils ont dit de faire ça. Merci. Je n'ai rien vu. Bah ça en va, on a un verre de rosé et un chouette. Non mais qui prend un chouette? Ouais par contre tonique. Chouette tonique, vraiment c'est ma phobie sur terre. Bah je te laisse le verre de vin, je conduis donc je peux pas boire. La but d'alcool est dangereux pour la santé. Comment on a dit en même temps comme ça? Moi je vais boire mon chouette tonique. Oh non là c'est chiant, non, mais qui prend ça? Se voit ça, c'est des commandes de vieux. Ouais vraiment, en même temps il y a que ça vers chez nous. Tu sais que c'est hyper amer hein. Ah c'est, je déteste, bien goûte. Ah non c'est bon, ça on dirait de la limonade. Ah bah c'est bon, j'aime bien. Je suis étonnée. Pas mal ce truc hein. Bah, je ressens ce que j'ai dit, cette vidéo nous aura permis de découvrir un peu. Vraiment. Le serveur il est en train de dire à la patronne ce qu'on fait. D'ailleurs, tiens à m'excuser pour mes ongles dans cette vidéo qui sont catastrophiques parce que j'en ai perdu. Ah, c'est pour ça qu'après tu m'as dit j'enlève mes ongles. J'en ai perdu au moins 4-5. C'est vrai. En même temps, c'est toi, t'es une malade hein. Pourquoi? Parce que monsieur Alex a commencé à me pousser. Donc c'est parti en bagarre. C'est moi qui ai commencé? Non, oui, je crois que c'est tu toi. M'as fait tête-tête. Non, t'as commencé à faire un tête-à-tête comme ça. En même temps, tu faisais trop la folle. C'est pour ça qu'une heure après, je lui envoie un message en mode « Pardonne » et tu fais quoi? Et elle me dit « Je suis en train de retirer mes ongles. » Je lui suis dit « Non, c'est quand même pas ça. » Bah si. Ça faisait longtemps en plus. Je t'ai pas fait trop mal pour que tu m'as pas mis trop trop lumière. Tu m'as mis un coup de comme ça? Non. C'était hyper... lunaire. J'étais hyper insolent, je rigolais. Ça m'était encore plus à la haine. Tu m'as tiré les cheveux. Je lui ai tiré les cheveux, ouais. Et il faisait « Ah, ça fait trop mal. » Je sais que ça met le démon quand tu fais ça, genre. Voilà l'anecdote. Bon, il y a quelqu'un avec des plats. Ok, ils arrivent. Ils arrivent. C'est notre moment. Bonsoir. Si, bonsoir. C'est merci. Et donc, le code, c'est super. Merci. 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 Ok. Non, il va aboyer. Attends. Chut. Waouh, entrecôte, ma viande préférée et des toasts au saumon. Bah, on va switcher. J'aimerais bien regarder dans le resto pour voir si quelqu'un a vraiment pris ça. Je suis trop. Oh my god, genre l'entrecôte, ma viande préférée. Et toi, les toasts saumon, c'est tout ce préféré. Ouais, j'avoue que bonne pioche. Bonne pioche. Les gars, c'est masterclass là ce qui s'est passé. Ils ont pas de goût en boisson, par contre, ils ont des goûts en. Je vais goûter un toast, je prends le plus petit. Verdict. Oh. Tu vas adorer, très bon. De toute façon, t'aimes tout donc. Non, mais là, je suis choquée du hasard. Je pense qu'il a vraiment fait la même commande que quelqu'un où il a fait genre en mode elle, hey, je la vois bien manger des toasts de saumon et lui, je vois bien manger un entrecôte. Non, je pense que vraiment, vraiment, il a fait la dernière commande. Tiens. Oh là là, elle m'attend, elle me mettait à pression, genre. Horrible. Ah ouais, elle est bonne. Oh, elle est grillée. Oh là là. Je m'attendais tellement à avoir un truc de merde que là j'apprécie le moins d'un truc. Wesh, elle a mangé sa viande en 3 secondes. C'est une sauvage. Si vous me connaissez bien, vous savez que je mange vite. Hein. Moi aussi, en vrai, je gobe. En fait, je préfère manger genre en mode. Je préfère gober que déguster. Je déguste jamais moi. Moi aussi, en fait, des fois j'essaie, je me dis, essaye de déguster pour voir. Pareil, pour surtout le chocolat, c'est de le sucer. Mais justement, tu vois, ça m'énerve, genre ouais, j'ai envie de. Ah, les pommes dauphine, comment elles sont bonnes. Cette journée, niveau bouffe, 10 sur 10, 20 sur 20. Les petites sauces, par contre, on va les voler, on a plus de sauce chez nous. Ah ouais, putain. Ça me regarde. Non, 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 vite, vite. T'es sûr? Vite. Tu vas voir quand on va rajouter qu'on a pris. Bon, fou, de toute façon, tout ce que je peux gratter, je gratte.
fond, c'est rare qu'on ait de la chance. Aujourd'hui, on a été plutôt... plutôt chanceux, ouais. Alors qu'on est des gros poisseux. Je viens de payer. On a payé 60,60€. J'attends ma petite note et je vais demander un truc au serveur. Enfin, je vais lui demander si vraiment il a mis la bonne commande. Bonne soirée, merci là, beaucoup. C'est... Vous avez vraiment mis une commande... Ah ouais, bah, c'était la commande qui était là-bas. Incroyable, qu'on a adoré en plus. Ah ouais, forcément, j'ai joué le jeu, donc le chef Tony, je me suis dit, bon, bah... Oui. Ça passe... Non, mais c'est bien passé pour le coup. Bah, nickel. En tout cas, merci beaucoup, c'est vous gentil. Merci, c'est bonne quoi, soirée. C'est un truc pour vous allez faire sur Internet. Sur YouTube, ouais. Sur YouTube, ouais. Ouais, sur YouTube, c'est ça. Merci, c'est bonne bien soirée. Bien. Franchement, ce serveur, trop gentil. Je vais lui donner un petit pourboire. Je vais lui donner 5€. Tips, parce qu'il était vraiment adorable. Les gars, bon, c'est la fin de cette vidéo. Personnellement, cette vidéo, meilleur test de notre vie. 10 sur 10, 20 sur 20. On s'est trop bien pété le bide, moi j'ai adoré tout ce qu'on a eu. Adoré cette vidéo. Mais vraiment, coup de chance. Tu sais que j'ai parlé au serveur à la fin quand t'es parti. Je lui ai demandé en gros s'il avait vraiment sélectionné les personnes d'abord. Il m'a dit oui, c'était les personnes qui étaient là. Il m'a même dit les personnes. Je lui ai dit non, mais monsieur, c'est un coup de chance hein, qu'on a eu. Hein. C'est exactement ce qu'on aimait. Hein. Donc écoutez les gars, si cette vidéo vous a plu, vous voulez une édition 2, pouce en l'air et n'hésitez un pas à nous l'air suggérer, je sais pas, autre que des fast-food. Je sais pas, on pourrait faire en mode aller chez Cédric Rollet, le faire ouais à Paris. De ouf. Et dans des pâtisseries de luxe et tout. Ouais, comme ça, c'est vraiment extrême. Genre, ouais, de ouf. Genre édition luxe. Édition comme luxe. Ça, genre vraiment, on a le stress de notre vie. Parce que là, en ce moment, on jouait. Ouais, en ce moment, on jouait pas beaucoup. On a eu quand même pour cher. Hein. On a eu pour quoi 150€ la journée. Non, moins. On a eu pour moins de 100€. Bah, c'est raisonnable. De toute façon, elle a pas la notion des prix. Donc, si vous voulez demander. Bref, la belle et le clochard vous souhaitent. Enfin, on espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, bah, maintenant, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein, plein, grand bisous. On vous aime fort. Bisous. Si l'allée et l'autre, elle est en boîte, moi, je vais me coucher. Hein. Oui, écoute, attendez, faut profiter de la vie. Hein. On en a qu'une, hein. Ouais, casse-toi.